le meilleur. On s'est déjà vu? Ah ouais, je suis la cavalerie, mec. Moi, je voulais débarquer ici en faisant mon Clint Eastwood. Ah, je suis Urk. On m'a parlé de toi, mec. Tu putes tout le monde, on t'appelle le vénère, ouais. Alors, je suis là parce que toi et moi, ensemble, on va mettre une putain de branlée au Sentier d'Or, en plein dans sa gueule. Espèce d'abruti, c'est nous, le Sentier d'Or. Moi, pas entraver ce que tu racontes, parce que moi, pas parler ta langue. Je crois que ce que tu voulais dire, c'est que c'est l'armée royale qui va se prendre une branlée. Nous, c'est le Sentier d'Or. Non, tu déconnes. Ces types me regardaient tous d'un sale œil dès que je bavais sur le Sentier d'Or, bah du coup, je comprends mieux. Ok. Eh ben, plan B. Cavalerie préventive. Et ouais, t'as besoin d'aide, t'appelles, on fonce et on t'aide. Waouh, le... Ah, merde. Sentier d'Or. Ceux du Sentier d'Or, c'est ça. Toi et moi, mec, on est des vrais, des durs, des tatoués, on vient rêve, allez, check, mon gars. Boum. Dis donc, j'ai la frite, mais toi, t'as pas la patate. C'est pas grave, t'as peut-être un peu pris ton temps, mais bon, t'es là. Et ça, tu vois, je respecte. Tu me promets qu'on se verra bientôt. Ok, vive le Sentier d'Or, mon pote. Wouh. Ok, bon. Hey mec, super timing. C'est Urk. Je me disais justement qu'il fallait qu'on se la donne un peu ensemble, et boum, te voilà. Tu m'as appelé et... qu'on se la donne ensemble? Comme des singes et des bananes. Hé, vite, à quoi est-ce que tu penses quand je dis singes, mec? Des bananes. Des idoles, mec. Des idoles païennes. J'ai parfois été un peu dur avec mes proches cousins, les singes. Alors j'essaie de me réhabiliter à leurs yeux pour ces gilets bourrés de C4. Les quoi? Ah, je voudrais me racheter pour mon karma. Oh, j'y serais bien allé moi-même, sauf que je suis venu avec Coco 6 et Bongo 2. Ils ont pas un poil de graisse, mec. Ils vont geler en moins de 3 secondes, maximum. Ça pose un problème, parce que les gens de la rue disent qu'il y a une statue de singe dans une grotte de glace en haut de la montagne. Et je sais où. Attends. Quelle rue? La rue, mec. Écoute, l'armée royale cherche aussi à trouver cette statue. Donc bon, traîne pas. Bonjour, Ajay.
comprends pas pourquoi ils veulent tous suivre Kane. J'ai trouvé une caisse, mais elle est... Oh merde, ça me casse les couilles! Attends, qu'est-ce que je raconte? Mes burnes sont un petit âne renforcé. Si les gros bras de Pagan sont toujours là-haut, je te parie qu'ils ont pas la statue non plus. La statue de chimpanzé doit être dans la classe. Ah ouais, je vois ça, hein. Et faut que tu la trouves, mon frère. Explore le glacier. Thank you.
Burke, je l'ai. Sors-moi de là. Pas de problème, mec. Je suis le vent sous tes ailes. Mais va pas te faire des idées, hein. Je suis pas monogame non plus. J'ai essayé, c'est nul. Un taureau, faut que ça court, mec. Faut que ça court. C'est un harpon ? Mec, ça c'est l'empaleur ! C'est plus seulement pour les baleines ! Moi je te le dis, ça va faire un carton dans les partous de politique ! Avec les bons accessoires. Ouais. Oh. Du pur Indiana Jones. T'as emporté un sac de sable ? Pour prendre la statue, et t'as laissé le sac sur le socle à la place ? Non. Non, mais il y avait une fosse à serpent ! Quoi ? Dans la neige ? Non. Oh, cool. Bon, je suis sûr que c'était assez héroïque pour apaiser les dieux sages. Écoute, dès que je mets la main sur les autres, je t'appelle tout de suite. Il y en a d'autres ? Mm-hmm. Très bien, donc... Ok. T'as mon 06. Je crois que t'as le mien. Ouais, ouais. Et ton adresse ? Et celui de ta femme ? Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Mes chéris. Très bien. Alors, on va où ?